Salut à tous, salut à toutes, et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur GTA V Online, ou GTA Online, je sais pas trop comment on dit. Il y a une petite guerre là-dessus. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Alors on se retrouve pour un petit gameplay en ligne, comme je l'ai dit. Et cette fois-ci, je vais vous parler un petit peu de Watch Dogs, parce que théoriquement je l'ai. Dans la pratique, c'est pas encore fait parce que j'ai un petit souci pour l'acheter. Enfin bref, ça c'est ma vie, on s'en bat un petit peu. Je vais peut-être baisser le son de la télé un peu. Et comment? Et donc voilà. Donc pour commencer, petit tour en moto, là, comme ça, tranquille. J'ai essayé de pas trop me fail. Et donc voilà. Donc je vais parler un petit peu de Watch Dogs et de ce que j'attends de ce jeu, plus ou moins. Et puis après je ferai une vidéo et puis voilà. Enfin je ferai une vidéo sur le jeu bien évidemment. Je parle pas dans le vent et après je fais la vidéo. Donc voilà. Alors comment? Ce que j'attends de ce jeu, tout simplement que l'histoire soit bonne, hein, évidemment. Hein, celui qui vous dira le contraire, il est un petit peu. Hein, j'ai pas jugé les gens, mais bon voilà, il est un petit peu con quand même. Et donc voilà, donc ce que j'attends de ce jeu, c'est plus ou moins. Faut que j'arrête de dire, et donc voilà. Alors, ce que j'attends de ce jeu, c'est qu'il soit un petit peu comme un GTA-like, hein. Enfin, c'en est un plus ou moins, vu que c'est un monde ouvert. Il y a des armes, il y a des voitures, donc à partir de ce moment-là, c'est un GTA-like. Voilà, donc j'aime. De ce que j'en ai vu, le jeu a l'air super. Bien évidemment, j'ai été attaché et. Enfin, attaché. J'ai été attiré plus par. Ok. D'accord, alors premier fail de la vidéo. Je filme. Enfin, je parle en. Enfin, c'est du live commentary, quoi. Alors, bien évidemment, j'espère que j'ai été attiré par. Le côté un petit peu hacking du jeu, donc qu'on pouvait tout contrôler, l'environnement et tout, donc ça m'a beaucoup plu. Après, si ça me plaît, si ça me plaira dans le jeu, je peux pas vous dire parce que je l'ai pas encore essayé, comme je l'ai dit. Et donc donc j'en attends pas mal, comme la plupart des gens qui vont l'acheter, je pense. L'histoire a l'air pas mal, elle me fait vachement penser, oui, ça j'ai pas pris note, mais j'ai réussi à m'en souvenir. Parce que je fais pas trop de notes, c'est pas. Parce que je sais pas trop quoi noter, et après j'ai envie de parler de plein de choses, et j'oublie, et je bafouille, enfin bref. Voilà. Et comment? Attends. 2 secondes. Ok, alors comment? Oui, j'en étais donc à. Le jeu ressemble beaucoup. Vous allez me dire si vous pensez aussi. Mais niveau background du jeu, ça me fait beaucoup penser à Prototype 1. Donc je m'explique, dans Prototype, pour ceux qui n'ont pas joué, c'est un mec qui est contre une association. Une association de mecs qui font des mutants, un peu. Et ce mec-là, il va se servir de son pouvoir de métamorphose, pour justement contrer les assaillants et découvrir son ancienne vie avant d'être comme ça, parce que du coup il est un petit peu. Ok, si je commence comme ça, on va pas aller bien loin. Oh, pardon, j'avais dit que je mettrais le petit masque. C'est vrai, j'ai complètement oublié. Et voilà, monsieur singe. Voilà. Alors, j'avais dit que. Mince, j'en étais où? Oui, j'en étais à. Oui. Donc le mec va se servir de ses pouvoirs et tout pour contrer un petit peu et retrouver son ancienne histoire et retrouver les mecs qui lui ont fait ça. Et essayer de les déjouer parce qu'il les a plus ou moins retrouvés. Je vais voir mes filles. Non, ça va, ils sont dans leur appartement. Et comment? Désolé Martin, j'ai pas envie de te parler.
comment. Et retrouver ces mecs-là, enfin bref, l'histoire, je m'en rappelle plus très bien parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas joué. Et comment, ils enlèvent sa sœur à un moment, à ce mec-là. Et là, le fait que, comment, Aiden Pierce, ses conneries, entre parenthèses, ait atteint sa famille et provoqué la mort de sa nièce, qui s'appelle Lena Pierce, je crois. Ouais, Lena Pierce, je crois. Vous me dites si c'est pas bon, au pire, je marquerai dans les commentaires si c'est ça ou pas, hein. Enfin, dans la description plutôt. Et comment? Et le mec, bah, il s'en veut et il se dit même. Ça, c'est la partie que tout le monde connaît, donc je me permets de raconter un peu, hein. Il dit le mec, comment? Oui, machin, tout ce que je me rappelle de toi, c'est ce moment et tout. Je me rappelle plus ta petite danse rigolote à ton anniversaire, machin et tout, tout. À ta fête d'anniversaire, je sais plus trop quoi. Enfin, voilà quoi. Le mec, il est un petit peu nostalgique, mais il s'en veut presque un peu de penser qu'à sa mort. Mais quelque part, il se sent responsable aussi, parce que c'est un petit peu à cause de ses conneries, donc voilà quoi. Mais comment? Et le jeu me fait beaucoup penser à ça. Il va se servir de ce qu'on lui a offert. Enfin, ce qu'on lui a offert. Il a appris à hacker tout seul, le mec, je pense. Hein. Grâce à son mentor, qui s'appelle, je sais plus, enfin, un mec, ils le disent dans une des parties du début du jeu. Hein. Je l'ai pas faite, mais tout le monde connaît plus ou moins. Et il va se servir justement de ses cap de ses aptitudes, pardon, similaires à celles de ses adversaires, pour bah, justement un peu rétablir rétablir la vérité plus ou moins sur l'histoire, retrouver le commanditaire du meurtre de sa nièce, et puis se venger plus ou moins. Et pour ça, il va être accompagné de pas mal de potes, hein, dont Jordi. Un mercenaire qui n'a de principe que quand on y met le prix, hein, comme ils le disent dans le trailer. Ainsi que une fille, je sais plus son nom. Qui est vachement engagée dans ce truc-là, du hacking et tout. Apparemment, elle a des sautes d'humeur. Ainsi que. Comment s'appelle-t-il? T-Bone. Le hippie un peu hacker, soudeur. Bah d'ailleurs, il a un look de soudeur et son métier c'est soudeur. Donc la preuve que Ubisoft n'a rien laissé au hasard. Mais personnellement, quand je le vois, je sais pas si c'est parce qu'en mémoire je l'avais donc je pourrais pas trop vous dire. Mais quand je revois sa tête, je me dis, bah tiens, lui il pourrait bien passer en tant que soudeur. Avec ses petites lunettes, sa casquette et puis son style un peu hippie. Bon, j'ai raconté soudeur, hein, pensez pas que je suis en train de me foutre de la gueule de qui que ce soit. Hein. Et donc voilà, donc comment? Je vais faire une vidéo assez courte parce que comment la dernière fois j'ai dû la couper un petit peu à l'arrache pour pouvoir la mettre sur YouTube parce qu'elle faisait plus de 15 minutes. Et donc c'est une petite présentation vite fait. Hein. Ainsi que Irak, dans ses amis, qui est ni plus ni moins qu'un ancien soldat. Enfin, son surnom c'est Irak, mais je sais plus son prénom. Enfin, bref, c'est un mec qui est dangereux, quoi. Et ça va être apparemment un des. Pas protagonistes, parce que le protagoniste principal c'est Aiden Pierce. Mais un, en tout cas, des personnages qu'on va souvent revoir. Ainsi qu'un petit vieux de 75 ans dont je ne me souviens ni le nom, ni le métier, ni les idées, enfin ses idéaux, ni quoi que ce soit. Donc, je pourrais pas vous dire là-dessus. On va prendre un petit avion parce qu'il n'y a pas de raison de se faire plaisir. J'espère que ce mec ne va pas me faire chier. Non, ça va, il me fait pas chier. Il est tranquille avec son petit avion. Ça, j'aime bien. Quand les gens sont tranquilles avec leurs petits avions, ils se barrent. Ils font pas chier. Hier, il y a un mec qui m'a rentré dedans l'avion qui était explosé. Heureusement que je l'ai tué avant. Mais de toute façon, il se serait tué. Hein. L'avion, il a explosé, donc c'était mort. Et comment. Enfin bref, on va retourner sur. sur. Mince. Watchdog. Alors, attendez. Deux petites secondes. Voilà, je regarde le temps parce que, comment, le temps passe vite et hier je me suis fait avoir, enfin bref. Et donc, voilà, donc pour en revenir à ça, ça a l'air d'être un super jeu, hein, l'histoire est pas mal, voilà, donc ça que je vous apprends rien, hein, c'est ce que j'ai vu sur internet vu que j'ai pas encore le jeu, comme je n'arrête pas de le répéter. Mais donc voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, donc moi j'en attends pas mal, bien évidemment, parce que c'est un petit peu un délire que j'aime bien, hein, le fait de hacker les choses, de jouer avec l'environnement. Bah, c'est-à-dire que qui ne rêve pas de sortir son smartphone, pour pas citer de marque, Apple, comment? Et de tout diriger, bien, enfin, tout simplement, hein, tout diriger,
tout gérer grâce à un fichu téléphone finalement. Donc voilà, donc ça je vous apprends rien. Comment? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, donc pour ma chaîne, bah pour l'instant je vais essayer de faire des vidéos régulièrement. Là j'ai un pont de 4 jours, donc je vais essayer d'en faire une au moins sur Watch Dogs, mais je vous promets rien parce que comme je vous dis, hein. Comment? Normalement j'ai l'édition Day One. Et donc voilà, donc là je fais même pas gaffe à ce que je joue, hein. Je fais un petit peu de la merde. Je m'en fous, c'est histoire de vous proposer un petit gameplay tranquille et sur lequel on peut visuellement être convaincu hein, que GTA est un bon jeu alors que je ne parle que de Watch Dogs. Comment? Je m'en mêle un peu. Bon, on va revenir au sujet principal qui est Watch Dogs. Le gameplay, apparemment c'est ça tout ça. Mince, je vais y arriver. Ça change un petit peu des touches habituelles, hein, c'est-à-dire que sauter c'est ni X ni carré, c'est rond, pour changer. Courir c'est R2, donc ça on l'a déjà vu sur Saints Row, je crois. Donc Saints Row c'est pas Ubisoft, je sais pas. Je m'en rappelle plus. Ben là pour le coup, non je crois pas. Si, peut-être. Non, 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 c'est pas Ubisoft. Oh! Bon. Et donc voilà. Donc c'était une petite vidéo tranquille, je me prends pas la tête. Comment? C'était pour vous donner quelques infos que je pense que vous connaissez, hein. C'est vraiment histoire de dire ce que j'en pense, ce que j'en attends, et puis dites dans les commentaires ce que vous attendez de ce jeu, et puis pourquoi pas, comment? Débattre là-dessus! Et comment? Donc voilà. Donc je vais vous laisser un petit peu. Et pour la petite info, Murdered Soul machin, enfin bref, Murdered je sais plus quoi, est un jeu qui va sortir le 6 juin. Bon désolé, je suis pas informé de fou, je viens de télécharger en plus, mais je l'avais plus. Et je l'ai précommandé, donc voilà. Et je vais le télécharger d'ici le 6. Et je vous ferai peut-être une petite vidéo de là-dessus, donc je sais pas de quoi il s'agit, je sais que c'est un flic qui est mort et qui doit résoudre son propre meurtre. Donc voilà, donc c'est genre le mec il est mort, mais même comme ça il continue de faire chier le monde en tant que flic, hein. Flic fantôme, mais flic. J'ai rien contre les policiers, hein, ils sont là. Certains servent, d'autres non. Bon, je dirais pas où j'habite, mais des fois j'en vois se les gratter, hein. Bon, on n'est pas là pour dénigrer le métier de chacun et les choix personnels de chacun. Mais bon, voilà. Donc c'était une petite vidéo de Monsieur Singe 51. Et je vous dis bisous à tous, sur la fesse droite. Non, je plaisante. Allez, à plus tard. Ciao.